Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le rendez-vous du Savoir TV. Aujourd'hui, nous vous apportons des nouvelles tragiques et bouleversantes. Ce dimanche 17 novembre 2024 restera gravé comme un jour sombre dans l'histoire de l'Ukraine. Une journée marquée par la douleur et la destruction. Le pays s'est réveillé sous un déluge de missiles russes. Une attaque d'une ampleur sans précédent depuis le début du conflit. Les cibles étaient multiples, touchant des infrastructures civiles et militaires. Les sirènes ont retenti à travers tout le pays, plongeant la population dans l'angoisse et la peur. Les habitants ont été pris de panique, cherchant désespérément à se mettre à l'abri. Dès les premières heures, les explosions ont secoué plusieurs villes ukrainiennes, semant la panique parmi les habitants. Les rues se sont rapidement vidées, laissant place à un silence lourd et inquiétant. Les autorités ukrainiennes ont rapidement confirmé l'attaque massive, qualifiant la situation de critique. Elles ont appelé à la solidarité nationale et à l'unité face à cette épreuve. Face à cette agression, le peuple ukrainien a fait preuve d'un courage exemplaire, trouvant refuge dans les abris anti-aériens. Les familles se sont rassemblées, se soutenant mutuellement dans ces moments de terreur. L'objectif principal de cette offensive russe était clair. Plonger l'Ukraine dans le noir et le froid, en ciblant spécifiquement ses infrastructures énergétiques vitales. Les infrastructures énergétiques du pays ont été la cible privilégiée de cette attaque massive, causant des dégâts considérables et perturbant la vie quotidienne des citoyens. Selon les informations communiquées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie aurait lancé environ 120 missiles de croisière et 90 drones kamikazes, une offensive d'une ampleur sans précédent. Les centrales électriques, les lignes à haute tension et les transformateurs ont été touchés avec une précision chirurgicale, rendant la réparation et la restauration des services encore plus difficiles. Ces frappes ciblées ont provoqué des coupures d'électricité massives dans de nombreuses régions du pays, plongeant des millions d'Ukrainiens dans le noir et le froid et perturbant gravement leur quotidien. Au-delà des désagréments, ces coupures d'électricité ont eu des conséquences dramatiques sur les hôpitaux, les écoles et les infrastructures essentielles au bon fonctionnement du pays, mettant en danger la vie de nombreux citoyens et compliquant les opérations de secours. Face à cette attaque barbare, l'armée ukrainienne a immédiatement réagi en activant ses systèmes de défense anti-aérienne. Les soldats, bien entraînés et déterminés, ont pris position pour protéger leur territoire et leurs concitoyens. Les batteries de missiles solaires S-300 et Buk, ainsi que les systèmes de défense aérienne portables fournis par les alliés occidentaux, ont été déployés pour intercepter les projectiles ennemis. Ces systèmes sophistiqués ont joué un rôle crucial dans la défense du pays. Le président Zelensky a salué le courage et l'efficacité de la défense anti-aérienne ukrainienne, affirmant que 140 missiles et drones russes avaient été interceptés. Il a également souligné l'importance de la coopération internationale dans cette lutte. Cette riposte déterminée n'a cependant pas suffi à éviter tous les dégâts. De nombreuses infrastructures ont été endommagées et les civils continuent de souffrir des conséquences de ces attaques. La communauté internationale a exprimé sa vive préoccupation face à cette nouvelle escalade de violence. Les réactions ont été nombreuses et variées, allant des condamnations fermes aux appels à la paix. Les dirigeants du G7 ont condamné fermement les attaques russes, réaffirmant leur soutien indéfectible à l'Ukraine. Ils ont également promis d'intensifier leur aide militaire et humanitaire pour aider le pays à surmonter cette crise. Malgré la riposte courageuse de la défense anti-aérienne ukrainienne, les frappes russes ont malheureusement fait des victimes civiles. Les informations préliminaires font état de plusieurs blessés, notamment à la suite de l'incendie d'un immeuble résidentiel à Kiev. Le bilan matériel est également lourd. Outre les infrastructures énergétiques gravement endommagées, de nombreuses habitations, écoles et hôpitaux ont été touchées par les frappes. Cette nouvelle vague d'attaques russes a plongé l'Ukraine dans une situation humanitaire préoccupante à l'approche de l'hiver. L'Ukraine traverse une période sombre de son histoire. Les attaques russes du 17 novembre 2024 resteront gravées dans les mémoires comme un acte barbare et injustifié. La communauté internationale doit se mobiliser pour soutenir l'Ukraine et condamner fermement l'agression russe.
Restez informés en vous abonnant à notre chaîne. Le Rendez-vous du Savoir TV vous propose un suivi complet de la situation en Ukraine, avec des analyses, des reportages et des témoignages exclusifs. Ne manquez aucune information cruciale en vous abonnant dès aujourd'hui.